Pierre Conesa a jeté un froid sur le plateau de CNews ce 17 octobre quand il a qualifié l'action militaire israélienne à Gaza d'épuration ethnique. Écoutez. Juste un mot sur le million de personnes qui doivent se déplacer dans la bande de Gaza avant l'opération israélienne. Ça ne s'appelle pas de l'épuration ethnique, ça? Quand c'est les Israéliens chez eux. Pardon? Ils vont tenter de rattraper le coup sur le plateau. Ils sont restés chez eux pour l'instant. Hein. Ils sont dans le sud de Gaza. D'accord, mais enfin, 1 million de personnes sur une bande de 40 km sur 20. Vous savez, quand c'est les Azerbaïdjanais qui le font avec les Arméniens, on appelle ça des pérusions. Oula, ça n'a pas l'air de trop plaire sur le plateau. On ne parle plus des Azerbaïdjanais. Oui, oui, tout à fait. Donc ils vont finir le boulot. On peut parler de d'épuration ethnique parce que c'est un déplacement pour éviter des bombardements. C'est pas une volonté de vider Gaza des Palestiniens. À ce moment-là, ils se sont dit c'est bon, on l'a calmé. Mais non, il en remet une couche. Bah écoutez, oui, ça s'appelle une épuration ethnique, comme au Haut-Karabakh.